Allez, salut à tous les amis, c'est Warlocks et Tonio. Salut Tonio, comment tu vas? Ah, moi ça va toujours, hein, comme d'habitude. Et toi? Ah ben, ça va. Alors on se retrouve après le match d'Europa League, le dernier des matchs aller qu'on avait à faire contre Legia Varsovie. Match assez bordélique parce qu'il y avait des tampons partout dans tous les sens. Ouais. Mais sinon ça va, dans l'ensemble on a gagné, c'est le principal. Des pénaltys non sifflés. Voilà, des hors-jeux sifflés alors qu'en réalité il devrait y avoir tampon, mais bon bref. Prenez l'habitude, ça va être comme ça pendant 2 saisons. Bref, on se retrouve pour un match de Serie A contre Fiorentina. On joue à domicile, on a mis l'équipe 2, tout est prêt, donc on va y aller. Tantant, on va péter les chevilles. Si ce n'est que ça. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez retrouver la chaîne de El Tonio dans la description de la vidéo. C'est comme ça depuis le début du Let's Play. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qu'il fait en ce moment. Il fait du Death Stranding. Oui, merci. Merci pour la pub, la publicita. Publicita. Et voilà. Après, je sais pas ce qu'il va faire étant donné que Death Stranding, c'est un jeu assez long. Oh, on a le temps. Hein. Voilà, j'en suis au chapitre 5. Je suis au chapitre 5 et j'essaie de faire à peu près tout en vidéo, donc ça va être assez long, ouais, en effet. Il fait à tout, même sans foutre des échoués et des monstres. Alors je prends des grenades hématiques et on continue à marcher. Voilà, le non-respect est partout chez Tonio, dans FIFA, dans The Crew, dans Death Stranding. Mettez-vous à l'aise, commentaire. Mais toujours en restant courtois, c'est le plus. Voilà. Tu dis bonjour, tu mets une nuque et tu repars. Et tu dis bonne journée. Voilà. Tu es venu, tu as vu, tu as vaincu. Et tu repars tu. Et tu repars tu. Hein. Voilà. Moi je trouve que cette musique ça fait un peu une musique de secte. Bienvenue dans le culte de Cosmos. Bienvenue dans la cuve du culte. Ici nous achetons des matchs, nous mettons des tampons. Et nous agissons sur l'intérêt du match. Découvrir ensemble la composition du Napoli. Oh putain. On aurait dû inventer une équipe, on l'aurait appelé le culte. Le culte du football. Les incultes du football. Ouais, ça s'excite déjà alors que le match il a pas commencé. Ouais, bon, à comparer à des matchs où quand ça a commencé il n'y avait pas de bruit. Oui, c'est vrai. On préfère ça, hein. Enfin moi perso je préfère ça. Entendre des ambiances, c'est toujours très excitant. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous voyez apparaître la composition. Donc lui, Dragos Gowski, je connais pas. Moreno, Altenberg, Duncan, allez, Bonaventura. Ah bah il est là Bonaventura. Cabral, il connaît pas Gonzalez. Ah mais il connaît, il jouait à Lille, je crois. Oui, il me semble. Allez. Comme d'habitude, curseur bleu, c'est Tonio, curseur rouge, c'est moi. Et ça tacle direct. Bah non, il y a eu des passes d'abord. Il y a le fondamental. Pas de l'autre côté. Oui, idéalement servi. Okay. Pourquoi attends. Le gars il est tout seul devant les cages, pourquoi il bug? Je sais pas.
Tant mieux pour nous. Oui, bah oui. Mais non. Ah, je suis resté bloqué sur un. Et puis la prise de balle dans non, là c'était carré. Giacomo Bonaventura. On va finir par là. Il va falloir se calmer. T'entends? Pas un penalty dès le début. Il perd le ballon. Passe lobé dans le dos de la défense. Quelle reprise technique. Oh, quel but. Et voilà, il connaît pas Gonzalez, il connaît bien, mais non. Bah tu m'étonnes, ouais. Qui est super, rien à faire. Ah bah là j'avoue que le but il est super. Bon, on fait n'importe. Ouais, moi je faisais. Oui, tu tentes des pénalties dès la première minute de jeu, donc oui. Oh, le but qu'il nous a mis, il connaît pas Gonzalez. Et maintenant, tu connais Gonzalez. Ok. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Voilà, je me rattrape, je m'excuse. Et là, il faut le tomber du coup. Non, il ne montre pas. Non, il ne montre pas. Il lui soulève les jambes, il garde les épaules au sol. Et il n'y aura pas trois, simplement deux. Il va la lâcher. Alberto Moreno. Bon avant toi. Ça passe en profondeur qui est intercepté. Ma foi, je sais pas pourquoi il attaque les bons joueurs, mais. Je n'ai rien demandé tout ça, moi. Le jeu, il joue à ma place. Ok. Youpia. Groupie. Attention, elle pourrait être dangereuse, cette attaque. Allez, dégage, très loin. Ouais, l'arbitre qui laisse l'avantage pour Naples. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Ouais, voilà, c'est dans un silence de mort. Pas besoin de communication. Principal, c'est qu'on me plante. Mais j'ai même pas d'ambiance au niveau. Mais il n'y a même pas d'ambiance dans le stade aussi. Ouais. Ouais. Ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster. Ah bah les supporters, ils savent comment ça va se finir. Hein. Que des 6-0. Ils sont forcés. C'est pas bien joué, le jeu n'était pas là. Je l'ai vu arriver de loin, le tac. Intervention parfaite, un bon anticipation. L'arbitre qui a décidé. J'ai lu l'arrive fort. C'était trop tentant. J'ai lu l'arrive fort. C'est dégagé, grand soulagement du gardien. Attention, il peut centrer là. Il a dégagé à ce moment, c'était dangereux. Tout s'est joué dans la tête. Frimpong, il cavale vite. Là, ils continuent de développer leur contre-attaque. Oui, il a volé. J'adore comme tout le monde. J'ai ouais, ouais. Ah bah. C'est célébration de Thug. J'adore comme tout le monde a laissé passer le ballon au centre. Regardez. Ah bah oui, il y a du portant. Et le jeu, il fait quoi le jeu? Bah je sais pas, peut-être qu'il appelle Dieu ou il fait une tête. Non, Dieu fait quelque chose. Dieu ne m'écoute pas. Ah, moi je te le dis, ils nous ont mis un joli but, maintenant ils vont prendre cher. Oh, tu vas prendre. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Ouais,
Ouh, bien joué. Magnifique reprise de volée qui méritait mieux, mais qui c'était une reprise aux petits oignons, mesdames et messieurs. Petits oignons farcis, cuits à la poêle, juste à la poêle. Il progresse vers le but. Ah oui, le bon ballon là. Cul, hein. Ma foi, je sais pas pourquoi il a fait une tire de merde. Loin, avec ce dégagement. Le bon ballon. Ah, oh, le non-respect du jeu, quoi. J'ai pas compris pourquoi ton joueur il attaque les, mais pourquoi pas. Finalement, elle ne donnera rien à cette contre-attaque. S'il avance vers le pied, il va y aller. Elle est contrée cette frappe. Et c'est Naples qui marque. Ah, oh, la violence, là. Ils ont mis un but, on les a plus vus. C'était pour nous réveiller en fait, hein, concentrez-vous. Ça pourrait être le but du chaos. Bah, là, on les a mangés. Là. Ouais, bah oui. Surtout quand je joue à domicile, donc c'est pas logique de prendre un but, mais bon. Je sais pas, au vu du début du match, je pensais qu'on jouait à l'extérieur en fait, comme ça se passait. C'est... Ouais, ouais, non. Allez, on peut y aller. Ouais, je te mets un shoot, frère. Ah, mais quoi, je l'ai récupéré le ballon. Monsieur l'arbitre. Ah, j'ai utilisé tout son jeu en fait, hein, mais bon. Bah oui. Il n'y avait pas d'issue. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Après, il va derrière le goal. Ouais, il y a des options dans la surface. À voler. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Ouais, ça peut bien partir. Pourquoi il est tout ça? Bah, il n'y avait pas le défenseur. Gauche, oh, apparemment. Défendu, ça. Ouais. Ouais, il gagne la possession dans leur moitié de terrain. Ouais, superbe l'arrêt. Là, je vais rentrer dans le jeu, je vais aller voir les serveurs et je vais leur mettre des nuques. Parce que ça m'a gonflé quand même, hein, le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tu l'as défoncé devant le goal, devant l'arbitre, devant tout le monde. Et lorsqu'il a récifflé. Vas-y, bouge, bouge. Bonne aventure. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ce ballon qui est dégagé. L'équipe qui a pris la main mise sur le ballon. L'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore. Comme elle l'a dit. Oh, ah bah là, t'es tout seul là. Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Carnage. Carnage à 3. Carnage. Mais, voilà. On est parti en contre et ils ont rien. Ouais, bah oui. Bon, en plus, on a des joueurs rapides dans l'équipe 2, c'est vraiment cool parce que ça compense leur manque de technique, on va dire, parce qu'ils sont moins performants que l'équipe 1. Oui, c'est vrai. Surtout qu'en plus, là, j'ai mis Fabian derrière, j'ai pas mis Gravenberch. Ouais, bah ça change un peu le truc, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est plus costaud, j'ai l'impression. Je sais pas. Bah après, Fabian, il a 82. Hein. Gravenberch est à 79, je crois. Ouais, il a pris un n'empêche, Gravenberch. De perf. Et puis on n'a pas fait changer le. Tu sais le poste à Gravenberch. Ça va, frère. T'as mis un but, tu vas pas en mettre 50. Sauve-la, sauve-la. Ouh, ouais. On a décidé de faire du pressing, hein, regardez. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Elle poursuit son action. Non, non, on a compris l'intention. Vous ne passerez pas. Corner à suivre. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Oh là 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 là. J'ai taclé et tout de bon. À quel prix? Ah oui, là-bas il y a un trou.
Oh, ce que tu lui as mis. Oh, ce que tu lui as Attention, mis. Attention, ça peut devenir intéressant. Mais non, mais... Le gardien a c'est la plus à retrait, quoi. Je sais pas, gros. Attention à la frappe. Oh, oh magnifique. Et la parade exceptionnelle. Et la parade. Ah, il me faudrait un pied gauche, là. Bah voilà. Ah non, mais il a pas voulu. Forêt. Le corner, le ballon en pleine surface. C'est mal. Ouais. Sébastien Chabal, ouais. Après, il faut que tu mettes ton montage. Chabal, ouais. Je vais le mettre audio, en audio, tu sais. Sébastien Chabal, ouais. Je savais pas qu'on avait une équipe de rugby, man. Bonaventura. Bonaventura. Je me fais dépasser moi-même. Quoi? J'ai pas compris. C'est passé quoi là? Pourquoi d'un coup tu leur as donné le ballon alors qu'il était par terre? Oh, oh. C'est pas bien défendu ça! Attention, ça peut faire but! Oh, quelle occasion! Mais quelle occasion à bout portant! Pourquoi Warlock s'y parle plus! Pourquoi est-ce que tu as enlevé le défenseur pour faire l'avion de chasse? Cet homme aime les situations compliquées. J'ai vu une opportunité. Ouais, une opportunité de gif. Ouais. C'est comme dans Assassin's Creed, des opportunités. Mais bien sûr, oui, c'est vrai que c'est un jeu Ubisoft, FIFA. Oh, le ballon dangereux. Oh, comme il m'a calmé, lui. Je te laisse faire, écoute, tu as la partie donc. Ah non, respect. Ça, ça peut être dangereux. Il aurait mérité un meilleur sort, cette contre-attaque. Ça va qu'ils savent pas tirer quand même. L'enchaînement de passe, cette remontée de ballon magnifique. Il porte de rire lui. Et merde, putain. C'est pour toi. Fabien Ruiz. Oh, tu ah, es en jeu. Il aurait dû retarder son appel. Mais il est petit, Almada. Oh. Elle bouge, voilà. Ah ben voilà, ou alors qu'il n'a pas besoin de venir avec des tampons, il est juste au pied. J'suis arrivé à mon avion de charge, j'ai préféré le torcher. Hein. Qui nous attend tout à l'heure. Petit rappel. Oh, magnifique, le duel gagné. J'ai pas ta clé. Dis-moi, Ramani, pourquoi quand j'appuie sur carré, tu n'agis pas en fait? Tu n'agis pas. Regarde, mais... pas. Regarde, s'en fout. Oh, là, il y a un ballon qui arrive dans les cages. Il cherche le point de pénalty. Il est dégagé par la défense. Olivier qui perd le second. Ah, il m'a mis la haine là. Ça parle de moi après. Ah non, mais il m'a mis la haine là. Le truc, le mec, je me passe en profondeur. Ah, la violence. On a senti toute la haine là sur le tac. Le joueur il garde un œil sur le ballon quand même. Mmh. Il se dit bon, je vais le niquer, mais bon, faut rester t'imagines connecté sur le ballon. C'est ça, t'imagines si le joueur il agissait vraiment comme ça? Putain, mais j'ai pu jouer moi, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'ai pu jouer. Hey, j'ai tout donné pour les 16 premiers épisodes, après il a plus rien, c'est bon? Ah, je pense que moi j'étais déconcentré avec mes conneries, vous savez. Oh, le but peut-être. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. La butante. Ah là là. 5 buts à 1, c'est le score à la pause. On va...
passe lobée dans le dos de la défense. Enfin, je trouve que c'est un joli but, quoi. Et pour le coup, ils l'ont pas volé, mais bon. La seconde période de cette rencontre qui débute. Avantage pour Naples pour l'instant. Thiago Almada. Très bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Oh, c'est l'interception. Attention. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. La frappe, c'est au-dessus. Pourquoi pas? Malgré le carnage, je m'en sors bien, hein. Ouais, c'est vrai. Carnage créé par toi, d'ailleurs. Parce que c'est toi qui rend fou tous les adversaires. Quelle passe. Okay. Oh oui. Non, non. Oh, je l'ai tellement vu dedans que ça y est, moi, j'étais parti faire une célébration, là. Pourquoi pas? Ah ouais, j'étais en train de faire les trucs et tout pour faire le canard. Le canard. Qui n'avait pas le temps. Le crapaud. Le crapaud. Parce que si un canard il saute sur place, tu as. On a hâte de vous faire vivre. Et après, il a séché derrière. Avantage laissé pour la Viola. Allez, il a du champ. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Merci, le goal. Magnifique arrêt, quelle présence dans les buts. Je crois qu'il n'y a pas eu le carton jaune pour ce que j'ai fait. Le corner de Bonaventura, pleine surface. Alors carton ou pas pour cette faute? Il a tout niqué. Mais tranquille, ouais, pourquoi tu cours comme ça et pourquoi tu me rattrapes toi? J'ai deux coups. Résiste, bonne protection de balle. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Je crois que mon coco il aime bien se faire sécher, c'est pas possible. plus vers le goal. Vu le joueur que t'as, voilà. Ah non, il a pris, ok. Ah, j'ai rien dit. Il a pris de l'extérieur du pied, je savais pas. Parce que je l'ai enroulé de l'autre côté, en fait. Ah. Ouais, des fois. Oh, alors là. Centre, y a du ça recommence. Ah, le centre est soigné, mais il ne trouve personne. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Ah, les arbitres, après, ils vont nous avoir à l'œil, tu sais. Mais j'ai rêvé, monsieur l'arbitre, enfin. Je comprends pas. C'est pour un coéquipier dans on peut plus rien faire dans ce monde. On peut plus parler, on peut plus s'exprimer. On va peut-être assister à une contre-attaque. La contre-attaque. Toi aussi. Mais oui, le but. Quel le travail. Oh là là là. Aux champignons, je ne sais pas. Aux champignons, ouais. Aux champignons, oui. Les escargots. Champignons de Paris. Il est parti pêcher. Il a fait le marché. Il a trouvé les poivrons à 3 euros le kilo. Ce qui s'est passé défensivement. J'ai mis tout le monde dans le vent. Hein. Ouais, bah oui. Franchement, Almada, quand tu veux, tu me pètes le cul, tu fais tout ce que tu veux, frère. Ah bon? Le score qui est impressionnant, ça fait 6-1 désormais. Faut que tu vas, frère. Vas-y, bouge. Jonathan, il connaît. Ah, il connaît trop, c'est pour ça. Il a subtilisé le ballon. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur le côté. Le centre.
Oh oui! Oh je jouis! Oui! Pardon, excusez-moi. Le geste parfait! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but! Ouais, caméra! Caméra 1, caméra 2! C'est pas un but à la portée du premier pampin qui passe. Hein. Oh, magnifique! Le centre était millimétré. Ce match tourne à leur avantage. On a atteint l'heure de jeu. La passe est interceptée. Alors c'était pas pour Almada, mais. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Oh là là, c'est un viol maintenant. Ça y est. Vous avez eu qu'une occasion. Mais Almada, il monte en puissance. Hein, ah bah oui. Ça se voit. Comparé au premier match où on l'a vu. On voit cette action décisive. Partie de ce centre, la reprise de la tête. Il ne laisse aucune chance. Et pour ça, c'est pas un joueur de tête, lui. Non, ouais, c'est vrai. Bah, après, il était tout seul. Il a mis du temps à arriver, là, le grand. Quelle démonstration de cette équipe. C'est vraiment impressionnant. Vas-y. Ah, de courir. Alberto Moreno. Alfred Duncan. Duncan Walpole, je présume. Walpole. Ah, c'est ce que j'allais dire. Duncan Walpole. Tu sens les gens qui ont trop joué à Assassin's Creed là. C'est ça. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur le côté. Ah, ça c'est fort. Pas bien négocié ce ballon. Ah, ils ont peut-être. Warwolf en formation. J'ai cru que j'allais le tuer et hors jeu. L'arbitre assistant. Voilà, bah, par contre, on connaît plus Gonzalez. Hein. On le voit plus. Oh, ce que tu lui as mis. Même s'il a touché, mais ce que tu lui as mis quand même. Oh, ouais, oh ce qu'il m'a mis. Mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Alfred Duncan. Les mecs, au lieu d'aller prendre la balle, ils tacle. Ouais, bah je sais pas, c'est peut-être un. réflexe. Pas un réflexe, c'est un mode de vie en fait, je pense. Non, non, non. Je peux te couper un bouchon de liège. Oh, oh tu dis ça en plus. Peut-être comme un bouchon de liège. Il faut qu'il centre là. Ah bon. Calmez-vous. C'est pour le gardien. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Qui est dégagé. Ouf. Oh là là. Mais tu prends beaucoup de sombrero toi. Parce que le jeu est même pas, je pense. Hein. Options, là, je sais pas pourquoi tu as fait deux roulettes dans le vide, mais. Avantage, la fioritina continue. Mais qu'est-ce qu'elle a eu des avantages dans ce match? C'est hallucinant. Oh Martinez. Ouais, Martinez. Allez, bouge, 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 vas-y, bouge. Tu l'as bougé, Biskina. Bouge, t'es dit, bouge. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il faut? Je vais où, moi? Encore avantage. Encore avantage. Ouais, il y a des options dans la surface. C'est une histoire d'avantage, mais la bébé. Ah, il a failli y avoir pénalty encore. Je pense qu'il faut faire les changements, non, quand même. Ah bah, je sais pas, je suis vraiment dans le match, moi, là. Ah bah oui. Ah, on va faire rentrer. Ah bah, ah bah ouais, il m'a sorti. On va faire rentrer Ozeiman. Et on va faire rentrer Zeline. Non. Pas mettre Gravenberch, mais Moussé, quand même. c'est bon, tu es prêt. Il risque de perdre voilà. Le ballon, là. Ah mais c'est Aramani, qu'est-ce qu'il fait? En
position idéale pour centrer. Wow. C'est pas fini. Oh. Contré par le défenseur de Marseille. Oh. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Wow. Je sais pas combien de frappes il y a eu. Ouais, bah. Mais le jeu, il voulait pas qu'on marque. Ensuite, il reste bien debout. Malgré la pression de la. Mais pourquoi défense, il tape, lui? Bah, moi, je sais pas. Moi, je l'avais pas, j'avais le joueur d'à côté. Bah, ça peut pas être moi, je suis en train de frapper. Bah, c'est le jeu tout seul, il a pété un plan. Codé avec des moufles. C'est là que tu vois que des fois, c'est. Et attends, il passe le relais à qui? Ah oh, à Gaspard. J'espère. Ouais. Bon, je crois que il y a plus. Ouais, je suis en train de dire, c'est là que tu vois que, ben, en fait, c'est pas tout le temps moi qui tape. Là. Des fois, c'est non, le jeu. Des fois, c'est le jeu. Ouais. Ça passe. Je t'ai vu après. Oh, avec Mertens, tu étais seul là. Ouais, mais t'as vu combien il y a, on s'en fout maintenant. Ouais, ça me fout maintenant, gros. Il me faut un gaucher qui est petite taille. Allez. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, mauvais dégagement là, attention. Ça peut devenir dangereux. Je vous respecte, papa, papa, papa. Ah, Jordan. L'air carreau des familles. Bah, foi. Quelle violence. Oh, comme c'est tout bouillé. Et FIFA 22, très bien codé sur 20, tu veux les piles? Achète mon jeu, 69 euros. Ce match tourne à leur avantage. Tu as raison, donne-lui le rouge à Itnori. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Comment ça tu me traces, toi? Tiens, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Un petit corner des familles. Il y a deux joueurs qui vont quitter la pelouse pour faire entrer deux coéquipiers. Attention à ce corner. Le ballon qui ne trouvera personne dans la surface. Ah, il faut mettre le bruit du neuf. Hein. Ah, tu es hors jeu. On est dans l'espace. Le ballon. Alfred Duncan. Ah, c'est bien donné ce ballon. Pousse de là. Ah, pousse de là. Ah. Ouais, le tacle. Le ballon est perdu. Je l'ai tué. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. C'est le silence d'or avec Tonio et Neko, on entend rigoler parce qu'il a, il a torché un joueur. Tu veux les piles. Bah, t'as vu combien il est tombé, miskin. Ouais, bah oui. Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Alfred Duncan. Duncan Walpole. Bon avant-toi. Ricardo Saponara. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ah, mais là dans le camp de l'adversaire. Un nouveau corner. Un nouveau corner à suivre. Mais j'ai cru que ton joueur était passé, mais en fait non. Ah bah tu as blessé Moreno. Bien tiré le corner là. Mauvaise relance. Ah, bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Oh, la justice, vas-y. Chercher la faille dans la défense adverse. On avait toi. On a bien joué la remise. Gonzalez. Et comme quoi ça, pas profité, l'arbitre revient à la faute. Encore. Mais ça s'arrête plus, quoi. Mais j'ai rêvé. Bon, en plus, je suis sûr que c'est une faute de merde parce qu'il s'est rien passé. Il cherche un partenaire dans la surface. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ok. On va à tout prix. On va à tout prix planter le deuxième but. Un centre contré par le défenseur.
Et ça sort. On peut pas rester sur 10 à 1. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. Et c'est ainsi que nous passons les 4 dernières minutes en corner. Oh mon dieu. Le jeu, il a décidé qu'à la fin du match, il fallait qu'il plante. Tu vas voir qu'ils vont même pas planter en fait. Ouais, faut pas parler trop vite dans ce genre. Qu'est-ce que je disais? Si déjà on se défonce la gueule tous les deux, on va pas s'en sortir. L'arbitre oh là là. Qui siffle la fin du match, qui scelle la victoire de Napoli. La victoire très nette. Eh ben, les mecs se taquent entre eux et tout. Très bonne opération. C'est quoi un match? Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est ça sert à quoi des crampons pour s'essuyer sur les gens? Ah, il a été absolument énorme. Vraiment un match assez incroyable de sa part. 10 à 1. Bon, alors là, on a quand même mis une cartouche. Oh, ouais, oui, oui. Ah, c'est son troisième. Ah là là. On va continuer. Interview d'après match. Bon, on avait 60-40 hein, sur la possession. Ouais. Bah, en fait, ils évoluent en contre aussi, j'avais l'impression, non? Ouais, j'avais l'impression aussi. Mais bon, sauf qu'ils sont pas très. C'est pas des contres aussi rapides que Bologne, apparemment. Bologne. Ouais. Un excellent résultat avec un Moukoko incisif, auteur de 4 buts. Mou, bah, c'est une superstar. Hein. Le gars, il joue en équipe 2, mais c'est pas grave. Votre série de victoires se poursuit combien de temps continue et si tout le mérite trop vite. Bon, fraîchement, on peut aller au bout du bout, hein. Et bravo pour cette victoire. Ouais, grazie mille. Zanoli vendu. Attends, on va aller voir vite fait. Zanoli vendu. Chat joueur. Merci de m'avoir enfin permis de rejouer. Je me sentais prêt. C'était la bonne décision. Donc. Pourquoi bien sûr que c'était la bonne décision? C'est une insulte. Bah, parce qu'en fait, ça fait un moment qu'il attend. Je sais pas si tu vois le truc. Ouais, bah oui. Voilà, monsieur. Comme ça, tu seras heureux. Eh bien, ben là on a un jour de récup et un jour de repos, donc voilà, prochain match c'est Milan, on va s'arrêter ici pour cet épisode, merci à toi Tonio, merci là. À toi, mais merci à rien. Toi, merci aux gens, merci à nous, merci à vous. Dites-nous-le dans les commentaires si vous voulez plus de tacles, plus de cartons, plus de rouge. Allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Moi, je vous retrouve la prochaine fois avec Tonio sur un prochain épisode de FIFA 22. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Tonio et Warlocks. À bientôt et salut. Salut.